Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu. The Query Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Prière du soir, chapitre 6. Emma! Putain, c'est pas vrai. Ah, merde! Emma, c'est toi! Oh, faut mieux pas tomber. Putain de merde! Ah. Oh putain, sérieux! Oh, je suis content de te voir! Oh. Merde! Sérieux! Ah. Tu m'as laissé toute seule là-bas, connard! Oh. Non, mais Emma, s'il te plaît! Oh. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, j'en sais rien, d'accord? Un genre d'ours a attaqué Nick et Abby là-bas. Ouais, moi aussi, mais clairement, c'était pas un ours. Quoi? Qui? Quand? Pourquoi? Pardon, je suis juste... content que... Ouais, vite fait. Parce que la bête qui m'a attaqué, on aurait dit... Quoi? On aurait dit quoi, Emma? Comme un truc de film d'horreur. Ok, Bon ben, c'était probablement juste un ours qui voulait se défendre. Non, joue pas au con, je te dis que c'était pas un putain d'ours. Bon, d'accord, d'accord. Et maintenant, on a ces putains de chasseurs qui rôdent de partout comme s'il nous manquait plus que ça. C'est eux qui m'ont fait ça. Ça fait beaucoup de sang. Oui, mais c'est pas le mien. Faut que je te dise un truc. Tu refoules. D'accord. Cette saloperie m'a mordu. Faut que je montre ça à Kathleen. Il t'a mordu, cette petite marque? Oh. J'aurais juré que c'était plus impressionnant.
Ok, il faut qu'on sorte de cette forêt. Ouais, sans déconner, Sherlock. Tu sais, Jacob, t'as pas non plus besoin d'être un connard en permanence. Ok, tu sais quoi? C'est vrai. Ok, c'est vrai. Désolé. Oh, ce que t'es chiant. Oh putain, c'est vraiment pas le moment, ok? Sérieusement, je suis venu te chercher dès que j'ai su qu'il y avait un truc dangereux ici. Un truc? Ou plusieurs? Quoi, tu crois? Oh. Chut. C'est pas vrai! Elle est avec ses chasseurs, là? Je crois pas. On doit faire un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est morte. Je veux dire, pour le corps. C'est Kaylee Hackett. La fille de Monsieur H? Elle est rentrée avec son frère. Kaylee. Ouais. Je croyais aussi. Mais merde. Pauvre Kaylee. Nick! Tu sens trop bon. Je vous dérange pas? Essaie de te calmer un peu, hein? Ta gueule, Kathleen. Hey! Lui était mort pour la bête. Je veux goûter.
Hé hey. Viens là. Oh, Nick, arrête ça. Oh, arrête. Attention, Nicky, arrête. Ça transforme. Nick. C'est bon, tout va bien. Je te tiens. Je te tiens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais rien. Il est gelé. Ok, on l'emmène dans le pool house. Faut qu'il sèche. Repose-toi. Merde. Je suis désolé. Arrête de bouger comme ça. C'est propre à ce que j'ai vu. Enfin, ça saigne plus. Mais il va te falloir un médecin. Bon, c'est tout ce qu'il me reste de l'infirmerie. Oh, cool. Plus qu'à espérer qu'on trouve de l'aide avant que ça fasse plus effet. Il faut qu'on garde une trace de tout ce qui se passe, ok? Pour la police. Ouais. Faudra expliquer la fille morte dans la piscine. Hé, on se calme. Non, mais des photos ou ce qu'on peut. J'ai juste l'impression que les flics vont avoir du mal à croire tout ce qu'on leur racontera si on n'a pas de preuves solides. Bon, maintenant, si vous avez votre téléphone et que vous voyez un truc, prenez une photo ou une vidéo. Ouais. Ça ira pour toi, Abby. Et si t'essayais de trouver quelque chose pour que Nick soit mieux installé, qu'est-ce que t'en penses? Là, c'est mieux. Merci. Hey. Je me demande où est Caleb. Cet endroit était complètement différent il y a 12 heures. Hé, hey, il y a un truc pas normal avec Nick. Ouais, il est vraiment mal. Vous avez vu comment il a flippé dans l'eau? Ouais, on aurait dit un poisson, mais hors de l'eau. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un truc bizarre quand j'ai essayé de nettoyer ses plaies. Au chalet. C'est-à-dire? Bah, ses fringues étaient pleines de sang, mais j'ai pas trouvé de traces de morsure. De griffure ou rien d'autre. Il était très agité, il voulait me cacher la gravité de ses blessures, je crois. La rage?
Non, il bave pas du tout. Je crois qu'Abby serait pas d'accord. Ouais. L'aquaphobie, c'est pas un symptôme de la rage ? L'hydrophobie, ouais. Mais je crois que c'est plus la peur de boire, pas d'être mouillé. Il ressemblait à... à mon chat dans la baignoire. Ouais. Abby ? Oui ? Je peux te poser une question ? Bien sûr. Est-ce que je te plais ? Nick. Dis-moi. Allez, réponds. J'ai passé des super moments avec toi cet été. C'est vraiment... C'est vraiment... quoi ? C'est une réponse pour rien dire. Abby. Quoi ? J'ai quelque chose à te demander. Ok. Je t'écoute. Pourquoi tu m'aimes pas, Abby ? Nick. Mais si, je t'aime bien. Non. C'est faux. Tu m'aimes pas du tout. Mais si, enfin. Dis-moi la vérité. Mais c'est la vérité. Oh, merde. Je me suis encore fait avoir. Quoi ? T'es pas une lumière, avoue. Pauvre conne d'Abby. Arrête. T'es une bonne poire. Une proie facile. C'est pas toi. T'es pas comme ça. Je... Wow. Oh, Abby. Abby, est-ce que ça va ? Oh putain. Peut-être si j'aurais pas tiré dessus. Ouf. Ouais. Mais où ils sont tous passés ? Bon, si j'étais monitrice, dans une colo hors saison, à traîner près d'un feu de camp, et qu'il se mettait à pleuvoir, et qu'il y avait des monstres, moi, j'irais... au chalet.
Et encore les histoires de Ryan. Je savais pas que les gamins avaient été si traumatisés. On est vraiment nuls comme moniteurs. Faut que je parte ici. J'étais de mauvais bord. Peut-être j'allais à l'envers, vu que j'avais trop tourné.
plaît, c'est que... tu sais ce qui se passera. J'ai encore jamais fait ça, papa. Quoi, Piston? Stop! Arrête de gigoter! Donne-moi la seringue. Elle a été mordue? Bah. Comment veux-tu que je le sache? J'en sais rien. Laisse-moi regarder. Non. Lâchez-moi tout de suite! Ah! Abby ? Ryan ? En général, les gens morts, ça saute pas par les fenêtres pour s'enfuir dans les bois. Non mais, je comprends rien. Nick était... c'était pas Nick. Et où sont passés Jacob et Emma? Vous croyez pas qu'on aurait dû les recroiser depuis longtemps? Oh, ils sont sûrement en train de s'envoyer en l'air dans un cabanon quelque part. J'en suis pas si sûr, mec. Il se passe des trucs vraiment bizarres. Les chasseurs, Chris qui se barre, Nick... Kaylee. Oh, merde. Kaylee. Oh. Hey. Oh, putain. Bordel, où est passé Chris Hackett? Qui est là? J'ai besoin d'aide. Pitié. Vous êtes qui? Je m'appelle Laura Tierney. Et ouvrez-moi, c'est dangereux dehors. Ouais, y a une tarée avec un flingue qui bute des gens. Je n'ai tué personne. Oh merde, non. Laura Tierney, t'es Laura Tierney? Oui. T'étais censée travailler, t'étais censée aider à l'infirmerie, non? Et t'es jamais venue. Toi et l'autre gars, qui déjà? Ouais, Max, voilà, c'est ça. Monsieur Hackett a dit que vous aviez changé d'avis au dernier moment. Je crois qu'on devrait l'écouter. Dedans. J'ai pas confiance. Mec, c'est dangereux dehors. Ouais, c'est elle, le danger. On s'en fout, là, t'es pas notre boss. Hein? Dis là, la merde! Comme nous nous retrouvons,
Rien que vous et moi. Et si nous regardions de plus près ce que vous avez trouvé? Avez-vous bien cherché? Ces cartes ne sont pas que des babioles, vous devriez l'avoir compris. Elles peuvent vous aider. Je peux vous aider. Bien, allez-y, hop hop. Une de moins, rappelez-vous. N'est-ce pas terriblement excitant? Donc c'était tout pour l'aventure du jeu The Quarry, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!